Bonjour à tous et à toutes, je suis Lucien, bienvenue pour la suite de Breath of Fire, qui sera, je sais pas, la fin, ou pas, je sais pas, parce que ce jeu est long, et il y a du plot twist, et il y a des révélations, et plein de trucs. La dernière fois, petit aller-retour pour réparer ce bouton de l'ascenseur de la tour de Scand, j'avais récupéré en off tous les armures, toutes les invocations de dragons, pour un petit donjon à la tour de Scand et un combat de boss qui, sans les dites invocations, serait extrêmement compliqué parce que je crois c'est quasiment 100 000 points de vie. Et encore, je suis gentil, j'ai pas tout compté. Donc, voilà. Et on a appris double twist que notre sœur était vivante. Mais encore plus de twist, qu'elle a été ensorcelée, elle, on lui a filé les clés, et on n'en a plus des clés. Voilà, donc maintenant, il faut se rendre à un endroit. Non, merde, Nina. Je dois me rendre à un endroit que je ne suis, que je suis sûr, enfin si, qu'on est déjà allé. Mais c'était tout au début du jeu. Faut juste que j'arrive à me repérer dans ce tas de... Dans ce tas de trucs. Bon, déjà, je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis, hein, je tiens à le dire. Je suis paumé. Ah, là, non, là, c'est pour autre chose. Là, c'est une île. Là, c'est des trucs et des machins. Là, c'est un truc. Ah, voilà. Ah, bah, non, c'était pas loin. Ça y ressemble. Alors, cet endroit, spoiler, c'est l'endroit, c'est la zone de fin. Normalement, c'est pas loin. Mince. Ça, c'était le golem. Enfin, le golem. Le truc qui empêche l'eau de revenir. Ah, je n'ai plus l'indication. Bon, on est parti pour se faire chier. Voilà. C'était à côté du château volant, en plus. Moi j'aime bien cette musique, je trouve que ça détend. Bah par contre je sais absolument pas où je suis là. J'avoue c'est un peu énervant. Ah voilà, le désert, ok, le désert. Là je me repère. Donc, le désert, la ville Monsby. Ensuite, voilà, ici, parfait, ici, je monte à droite, à gauche, pardon. Ouais, normalement je vais vers une île avec. Non, c'est pas la bonne île. Normalement j'étais parti au bon endroit. Me serais-je trompé? Oui, a priori je me suis trompé. Non mais au moins vous voyez toute la galère derrière ce jeu. Qui est malgré le fait qu'il soit bien, je ne le dis pas, mais. Qui est bourré de problèmes. Notamment de où est-ce qu'on doit aller et qu'est-ce qu'on doit faire, nom de Dieu. Donc je suis là. Ok, là je passe. Là, fallait que je revoie en haut, que je monte. Voilà, ensuite je dois arriver normalement au village du début. Enfin, un des villages du début. Voilà, ici. Et normalement, je dois pas être loin. Voilà, ah, parfait. Donc normalement c'est pas ici. Non, c'est un peu plus haut. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Je me suis reperdu, c'est trop bien. Non mais on va y arriver, je vous assure qu'on va y arriver. Ah voilà. Donc là, ok. Donc c'est normalement c'est pas loin d'ici. Si c'était là. C'était là. Voilà, c'est là. Donc on est déjà allé là. Je vous assure qu'on s'est pas du tout ennuyé. C'est faux, vous mentez. Vous mentez tellement. Oui, alors la lente. Ah j'avais oublié que c'était lent. Oui. Alors D'accord, très bien. Normalement c'était ça.
Je vous jure que c'était ça. Sur ma vie, c'est ça. Ah, d'accord. Je bouge pas. Ah! Dans l'MDR, les grosses barres. Pardon. Donc, oui. Voilà. On va speedrunner un peu. On va y aller vite. Ça marche même par les portes à l'arrière. C'est fou. Ça explique pourquoi, notamment, il y a des portes. Et là, je sais plus où est-ce qu'il fallait que je aille. Je ne sais plus. Droite ou gauche, je ne sais. Je vais dire gauche, tiens. Ah bah oui. Voilà. Incroyable. Et un combat nul. Regardez bien ce monstre nul. C'était le monstre nul. Voilà. Gros combat, je dois l'avouer. Ouais. Non, mais on est en face d'un homme. Et d'un monstre, surtout imposant. Et... Ah, ça, c'y était pas la dernière fois. Peut-être parce que je n'y étais pas la dernière fois. Là, il y a un coffre. Oh, un bouclier. Très, très intéressant, ce bouclier. Ce bouclier-là, que je vais m'empresser d'équiper. Pas sur lui. Mais sur toi. Oh oui, tu es tellement fort. Et donc, normalement, un escalier. Bingo. On y arrive. Ah, voilà. Un temple draconique. Oh. Salut, Sorette. Ok, et donc là, je suis... Aïa. Aïa. Voilà, c'était ma blague. Ouais, donc c'était là où j'étais avant, il me semble, au tout début. Et donc, allons tuer Jade, normalement. Ah mon dieu, elle a été libérée. Mais qui? La boule cosmique, évidemment. Waouh. Impressionnant. Ta vie est... Regarde bien la boule cosmique. C'est impressionnant. Oui. Merde. Merde alors. Vous voulez dire que on s'est TP? On s'est téléporté et donc là je suis dans la tour. Je suis au pagode. Pagode, ok. Et donc bah pagodon. Pagode. Pagode. Ouais, je vais commencer par ici. Alors, il y a des trucs, des machins, ça c'est caché, c'est moche. Un domino. Est-ce qu'il veut faire une partie? Oula, mes clés. Ah oui, c'est vrai, mes clés, j'en ai plus. Domino. Un domino. Bon, alors la gêne avec le glitch, c'est bien gentil. Un domino qui est en fait un casque. Équipé. Du domino. Pas toi, d'accord. Domino. Oh, c'est un peu nul. Ah. Oh. Ouais, non, ça baisse un peu la défense. Toi. Ouais, c'est pas mal. Donc le domino, useless. Et puis y a rien à faire. Et on joue un combat avec un crabe. Le crabe était un peu trop fort. Hein. Je sais pas. Ça fait quoi? Ah mon dieu, un escalier! Je suis... choqué. Waouh.
une porte qui s'ouvre. Eh ben, on va aller au-dessus, il y a un coffre. Une armure puissante. C'est tellement beau. Oh, c'est pas mal ça. Active 1. Waouh. Je vais en profiter pour un peu maxer tout le monde. Non, je vais quand même utiliser une bille. Une petite bille. Voilà. Une petite bille. Petite bille. Et donc, on va continuer. Ouais, donc en fait, ça servait un peu à rien. Par là, il y a quoi? Un autre escalier, oh mon dieu! Ces escaliers qui apparaissent. J'en fais un peu des caisses, je l'avoue. Je l'avoue. Bon, bah là, il y a des trous et j'ai pas envie d'aller dans les trous. Oui, alors, j'ai aucune confiance. J'ai tellement aucune confiance. Oh, la vitrine ne fonctionne plus. Oh. Par là, il se passe quoi? Ah, mais encore des encore plus de d'ennuis. C'est quoi, salut? Petit mort-vivant? Est-ce que ça servirait? Ouais, on va dire que ça sert. Waouh, tu es devenu un petit dragonnet. 30. Oh, et je contre. Ok, des ghouls un peu nuls. Bon, bah voilà, c'est. C'était des ghouls un peu nuls. C'était. Charmant. Bleu 27. Ah, parfait. Le beau 25. Encore mieux. Encore mieux. Et donc. Oh, petit dragonnet. Une arme agile. Qu'est-ce que c'est-il que ceci? Ouais, donc en fait, lui, il n'a rien. Ah, une arme agile. Oh, oh là là, vache. Alors, je vais faire un truc par contre. Je vais ranger. On va réutiliser une bille. Cette bille. On va dire que je suis large. On va dire qu'on va partir du principe que je suis extrêmement large en bille. Et donc on va continuer par là. Voilà. Ah, oh, ça amène à un escalier. C'est fort sympathique de la part du jeu. Et donc, si j'appuie là. Ouais. Ok, très bien. Ça n'a servi un peu à rien. Mais un peu. Ah, oh, c'est un labyrinthe. Ah, oh, c'est un labyrinthe. Oh oui. La vitrine ne fonctionne plus. Ah, mince alors. Tant pis. Ah putain, des araignées. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Mais sinon après... Ah ouais, mais en fait... Ah ouais, mais en fait, c'est des petits ennemis. En fait, je peux farmer. Complètement. Complètement farmer. Ah, c'est... Oh, Nina 23. Incroyable. Soin 4. Waouh. C'est incroyable d'apprendre ça. Je suis un œil. Un critique de Karn. A410 qui fait absolument rien du tout. Mais rien du tout.
C'est quoi ça, pièce? Pièce gare? Ah, piège! Oui, un bouclier. Un peu inutile. Un peu inutile, useless même, on va dire. Ouais, donc en fait, à chaque fois, je chope de la merde. C'est ce que t'essayes de me dire, le jeu, hein. Ne fais pas l'innocent. T'essayes de me dire un message. Là, je sais très bien qu'il fallait aller ici pour accéder à cet escalier. Et j'ai très l'impression que cet escalier va me ramener... Oui. Je sens un piège. Non, non, bon, cet escalier ça servait à rien. Merde. Je suis perdu, ça y est. Je suis perdu, perplexe et. Je suis perdu en fait. Alors, oui, non, c'est ça, ça ne servi à rien. Parce que j'ai oublié un truc. Oui, je suis encore en train de m'aider d'une solution. Voilà, je vous l'avoue. Parce que c'est compliqué. Comprenez-moi, c'est compliqué. Putain, même là, je sais pas où je dois aller. Incroyable. En plus, j'ai plus de B3. Ah bah voilà. C'était là où j'étais pas. C'était là où je devais aller, mais que je suis pas allé. Paf. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Là-bas, faudrait peut-être que je soigne Mogu. Faudrait peut-être même que je soigne assez vite. Ce serait même très recommandé. J'ai pas envie qu'un personnage crève en fait. Parce que pour l'invocation maximale, il faut que tous mes personnages soient ok. Coffre. Une dague. Mais c'est pour ce cher Karn. Oui, normalement. C'est pour Karn. Waouh, tu passes à 132. Incroyable. Et là, il y a un escalier. Je vais peut-être réutiliser une bille. On va dire que je me mets une bille. On va dire ça même. On dit toujours que je suis large niveau bille. Voilà. Oh, ça ressemble bizarrement à une salle de boss. Est-ce que c'est un boss? Ah, oh mon dieu! C'est le boss! La puissance du bouclier bloque. Non, vraiment? J'ai pas bien compris ce qu'il se passe. Oui. Oui. Non, c'est bon. Pardon, moi j'ai eu peur. Oui, tu vas me dire une dernière chose. Quel est-il alors que... Ah! Oui, bonjour. Ah! Aïe. Très bien, ok. Mais tout ceci était calculé et... objet. Alors, tout ceci était calculé. Pas dans le bon ordre, mais c'était calculé car j'ai avec moi une arme légendaire. Et on va dire que les autres attaquent. Je tiens à m'excuser pour la qualité désagréable de ce son que je vais me permettre de passer. Voilà. Je suis désolé pour ce bruit un peu dégueulouin. J'ai mis du 10 000. Et voilà, elle est morte. J'avoue, le combat là, c'était un faux combat. Aïe. Ah, mon jeu, elle va mourir.
Elle est morte. Tristesse, elle s'envole littéralement au ciel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner tout le monde. Rentrons les PV. Combien? 20 au lieu de 15. Ouais, bon. Voilà, elle n'a plus aucun point de magie. Sauf que j'ai avec moi, et ça c'était prévu, des gants. On va dire que c'est suffisant, on va dire que c'est suffisant, ouais. Voilà, maintenant qu'elle est bien morte, on va dire, notre sœur, parce que... Elle était sous le contrôle d'un méchant. Et nous, on se bat comme s'il ne s'était rien passé. Et puis il y a ça. Voilà. Ça, c'est fourbe, monsieur le juge. Donc là... Ouais, il m'en fout. Donc là, on va peut-être avoir droit au grand méchant. Donc, le boss de fin. J'espère. À moins que ce soit une feinte. C'était la feinte. J'ai un casque pierre. Et ouais, ça rigole plus du tout. Et à chaque fois, je me trompe. Ouais, donc en fait, les casques, j'en ai vraiment plus besoin pour lui. Ah, bien, Mogu. Grosse défense. Ensuite, bah, je vais là-bas. Là, on me la fait pas, hein. Écoutez, je ne suis pas dupe, monsieur. Oh, des ghouls. Salut. Ah oui, d'accord. Mogu, c'est un faible. Je vais t'échanger, en fait, avec Bleu, je pense. J'en suis même sûr. Oh, c'est l'espace. Bah, toujours dans la pagode, ok. Mais c'est l'espace. Alors, gagne tous ces PA. Oh, ça c'est bien utile. J'ai utilisé des objets pour rien. Non, mais ma vie, c'est pas de la merde à ce point quand même. Et alors maintenant, on va se faire chier parce que je la sens pas. J'aurais peut-être dû claquer une bille. Ouais, je pense que j'aurais dû claquer une bille. Qu'est-ce que c'est ? Oh non, je suis empoisonné! Je suis empoisonné! Bah, on va utiliser les fourmis, tiens. Parce que. Ah non, zombie, pardon. Voilà. C'est l'alarme. Et on va dire que j'utilise une bille parce qu'il m'en reste 4. Et que du coup, bah. Il faut bien que j'avance. Oh, ça a l'air chiant. Oh, je sais pas pourquoi ça a l'air chiant. Oh, il y a des zigzags. Oh là là. Oh là là. Oh là là, ça a l'air ennuyant. Bon bah. On va dire que je vais par là. Voilà. Ouais. On va dire que ça passe. Ok, ça c'est inutile. Ça, si c'est utile. Inutilité donc. Petit 990. Très très léger. Oh Mogu level 24. Oh mon dieu, c'est incroyable. Et surprise. Merci. Donc on va dire que je continue. Et après, on va dire que je me dis que c'est pas une bonne idée en fait.
Ok, c'était... Vous allez pas me croire, mais là, en fait, mon aide, c'est en train de se tromper de chemin. Je ne comprends pas cette aide. Je ne comprends pas. Donc là, en fait, il faut que j'aille en bas. Et carrément, je tourne ici. Voilà, que je tourne, que j'aille en bas. Puis ici. Et puis quelque part en haut. Par ici. Par là. Et en fait, c'était là. Ouais, Bitro ne fonctionne plus, écoute, je pense que je peux me passer de ça. Et là, en fait, c'est le combat de la fin. Mais quand je dis la fin, c'est peut-être la fin du jeu. Dis-moi, j'espère. Donc, du coup, en prévision, on va défusionner. Et on va direct mettre l'invocation max. Je te vois, je vais te défoncer, une force invisible écrase le groupe. Encore? Mais je n'abandonne pas. Non, rappel. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Des explosions? Mon Dieu! Boum. Il rigole. Oui. Qui me parle? Comment? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que ceci n'est que un twist dans le sixième sens? Comme dans le sixième sens? Et en fait, tout cela n'était qu'un rêve. Mon Dieu! Mais où sommes-nous? Quelle est cette... Non, je ne peux pas croire! Nobelisque, putain, vous savez pas écrire? Oui, est-ce que je peux me déplacer? Est-ce que je peux me déplacer? Donc tout ceci n'était qu'un rêve. Je voudrais me... Merci, je... Mais non, vous êtes pas réel. Ah si. Ok, c'était donc vrai. Mon Dieu, il y a plus de twists dans ce jeu que dans n'importe quel film. Ah mon Dieu, mes amis, vous êtes là? Il manque un peu. Il manque Nina. Nous sommes uniques, pour le monde. Écoute, easy, hein. Scand. Oui! Ah, j'ai pas le choix. Je peux même pas sauvegarder? Non, je vais me... Non, je vais donc me faire tac. Ok. Ah, merci. Donc, pause. Donc, avec le deuxième twist, en fait, le jeu il est pas fini parce que Jade ne veut pas nous combattre. Et ben du coup, on va s'arrêter là, parce que il faut ménager le suspense. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est que la prochaine, je suis sûr, c'est la... Non, la prochaine, c'est la dernière vidéo, c'est la dernière partie, c'est la fin de Breath of Fire après. On va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, ou même si vous avez skippé, c'est pas grave. Je vous en veux pas, je comprends tout à fait que les parties, on s'emmerde dans les donjons parce que c'est compliqué, ne vous plaisent pas, ça je peux le comprendre. Si cependant vous voulez la suite et que vous aimez quand même un petit peu ce jeu, mais jouez-y sur Super NES, hein, pas sur la version GBA, c'est compliqué sinon. Je vous enjoins à mettre votre meilleur pouce, laisser un commentaire sur... Assure ce que vous en pensez, vous, du jeu, parce qu'il est compliqué. Et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, parce que je ne fais pas que ça. Je fais beaucoup de Neverwinter Nights en ce moment. Et aussi de me suivre sur Twitter, où des fois je raconte des trucs assez intéressants et j'annonce ce que je fais. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la dernière The Breath of Fire.